Les recettes à Pierrette. En tout cas, il m'a dit, t'as bien la mine basse. À quelle hauteur, à peu près? L'hauteur de sa braguette. Nos téléspectateurs sont là. Bonjour, Pierrette. Bonjour. Penses-tu que t'as l'air en forme? Oui, puis toi, Gadon, s'est acheté une nouvelle montre. Oui, mais j'ai toujours des montres digitales, mais là, ça me tentait d'avoir une avec des aiguilles. Et ça va pas aller avec tes talons. Mais je vais me donner un petit look plus simple. Oh. Le patron de l'émission, il me dit que je devrais me laisser aller à mon expression naturelle. Mon Dieu, ils vont-tu t'installer un poteau en métal? Bon, écoute, le don, la jaloux. Mais moi, en fin de semaine, j'ai rencontré un ami d'école. Oui. Il m'a dit que j'avais gardé mon visage jeune de dans le temps. Ah oui? Oui. T'es sûr qu'il t'a pas dit que je t'ai regardé dans le temps que t'avais un visage jeune? Bon, gala, c'est crasse. En tout cas, moi, je t'arrive un petit peu en retard aujourd'hui parce que, tu sais, d'habitude, mon chum, le matin, il part s'entraîner. Sans qui? S'entraîner. Ah, oh, sans toi. Et qui est pas fine. Ben quoi? En tout cas, la veille des fêtes, c'est le temps de nos recettes, puis c'est le temps d'être original. Oui. Hein, de sortir des sentiers battus. C'est là, ça. C'est le temps de sortir de la dinde, là. Mon Dieu, on croirait entendre ton chum qui vient d'avoir une relation sexuelle avec toi. Ben voyons. Ton chum ou quelqu'un d'autre? Bon, ben là, tu me fais une réputation. Tu sauras que je suis à cheval sur les principes. Bon, puis le principe d'hier, ça s'appelait comment? Oh! En tout cas, on est dans le gibier, on va faire cuire du cerf. Mm. Et puis, il y a des bonnes sauces qui vont avec ça. Cerf au bleu, hein, oh. Ou encore cerf aux framboises. Le cerf est très goûteux, hein. Oui. On peut aussi ne pas l'assaisonner. Exactement. Hein? Dans ce temps-là, c'est du cerf à rien. Puis on va faire un gros potage avec bouillon. C'est ça. J'aime assez ça, faire ça dans un gros chaudron à nouilles. C'est quoi ça, ton bain tourbillon? Oh, tu as entendu? Puis on va faire notre propre bouillon. Mais qu'est-ce qui est le mieux? C'est-tu bouillon de poulet ou bouillon de bœuf? Ça dépend dans quelle optique tu le fais. Là. Là, je ferai plus dans une casserole. En tout cas, même si c'est les fêtes, on peut faire des desserts d'autres pays. Ben aussi, oui. Comme les baklava. Oui, puis une fois qu'ils ont lavé, on les fait sécher. C'est ça, là, c'est des baksécha. On a le courrier de la semaine, Pierrette. D'accord. Première question, c'est bonjour, Pierrette. Bonjour. Un rose beef, là. Oui. Est-ce que c'est obligé d'être rose ou si on peut faire cuire un peu plus? On peut, mais ça va devenir un brun beef. Un autre ici, bonjour, j'aimerais savoir combien que ça prend d'auto pour faire un risotto. On dit risotto. La même personne nous écrit, j'ai essayé de faire une sauce aux abricots, mais j'ai eu du mal à faire fondre les tubes en aluminium. Bon, attention, faut pas confondre abricots et abritempo. Bon, une autre ici, bonjour, Pierrette. Voilà. Les pâtes al dente goûtent-elles comme les chips à dente? Mon Dieu, c'est toi qui choisis le courrier.